c'est pas que je veux absolument défendre Monsieur Macron, mais bon, quand il parle des feignants, je voudrais pas dire, mais bon, quand on voit tous ces chômeurs, hein, qui, voilà, peinard, ça se lève à 9h du matin, 10h, ça touche 400 ou 500 euros par mois, hein, ils s'endettent et ils ont pas de quoi consommer. Mais quand même, les mecs, peinard, ça se lève, petit déjeuner, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non, je voudrais pas dire, hein. En plus, franchement, entre nous, ces gens-là qui se révoltent et qui sont en colère et qui veulent manifester parce que le gouvernement va détruire le code du travail, un peu des feignants quand même. Oh bah attends, bah oui, le rapport il est là. Quand on défend ses droits sociaux, eh ben c'est qu'on est des feignants, hein. Attends, y a pas de regarde dans le dictionnaire, hein. Bon ok, c'est pas marqué dedans, mais ni sur Wikipédia, mais quand même, hein, c'est clair, hein, le mec, alors il refuse de passer sa vie à travailler, à subir. Des liens de hiérarchie, à avoir des pressions, boulot. Non, le mec, je suis désolé, c'est un feignant. Attends, la vie, c'est quoi, la vie? La vie, c'est tu nais, tu apprends, tu bosses, tu produis, t'es à la retraite et tu meurs. Ça a toujours été comme ça, vous allez quand même pas remettre les trucs en cause, quand même. La vie, c'est la vie, ça a toujours été ainsi. Feignant, va. Alors les gens, ils aimeraient avoir un boulot agréable et passer du bon temps, vivre. Non mais on va où là? Feignant, va. Ah bon, les Français, moi ils me tuent, les Français, hein. Attends, tu leur donnes ça, les Français? Eh ben ils le prennent. Feignant, va. Non mais faut se calmer un peu maintenant, les Français, hein. À toujours vouloir défendre vos droits, là, il y a un moment, hein. Je voudrais pas dire, mais bon, eh oh. Eh, vous croyez où là? Et on est en France là, hein, c'est fini. Ouais, terminé ça maintenant. Hein. Maintenant c'est boulot. Hein. Pourquoi faire? Ben, bon ça je sais pas, faut demander à ceux qui décident, mais bon.